Bonjour à tous. Troisième partie d'objectif 5 dan sur Fox au niveau 3q. Donc on affronte un adversaire ben 3q. Du coup, il joue en haut à droite Komoku. Je réponds en haut à gauche Komoku et il vient jouer Oshi en croisé. Ok. Donc euh, en croisé, on peut soit approcher directement son coin, même venir prendre le san en soi ici, hein. soit jouer tranquillement ici. Je crois que dans une de mes dernières vidéos, on a approché directement le coin. Donc on va jouer plus safe. Euh, on va jouer de ce côté. Un jeu de ce côté, mais j'aurais pu effectivement approcher ici, ici, euh, ou aller par exemple ici ou ici, j'imagine. Donc il approche, tout à fait conventionnel, hein, parce que c'est tout simplement empêcher un chimari. Donc euh, pour lui c'était équivalent à gauche ou en bas. Euh, c'était les bords les plus larges pour lui et intéressant. On va juste se développer comme ça. Le bord nord a l'air assez intéressant. Si on peut aller se glisser jusqu'à O3 ou O4, ça peut être pas mal. Et là, maintenant, il vient de ce côté. Ok. Hmm. Est-ce qu'on a envie de faire la même chose En soi, si je joue par là, on ne pourra pas rajouter ce coup ou celui-là, hein, l'un comme l'autre, et euh, par ici en même temps. Donc, en fait, euh, la séquence pourrait se dérouler. Euh, je vais là, il va là par exemple. Et euh, je peux tout à fait approcher par là tout de suite. En soi, il est assez plat, et il ne se passe pas grand-chose. Ou je peux même, à la place de C14, venir prendre le coin. Peut-être. Pas mal de choix. Je peux aussi approcher en O3, O4. Donc ici, soit ça, soit un peu plus large cette fois. Hmm. On va faire celui-là. Allez, double Kosumi. Il ne faut pas que j'utilise trop trop de temps non plus. Et il joue un grand chimari. Très bien. Euh, comme il n'a pris aucun des deux côtés, je vais peut-être prendre le coin. Parce que si je pince, il pourrait juste Tenuki et venir en F17. Pour euh, s'emparer quasiment sûr du coin. On vient le prendre. On a bien les points purs, donc il euh, n'y a pas de mal à faire ça, je pense. On va venir là. De toute manière, c'était à peu près la même chose des deux côtés. Et il fait année. ok. Donc je joue E18. Et là il a le choix. F18, c'est normalement le plus classique. Mais j'ai l'impression que maintenant finalement le plus classique c'est de continuer en Dobi. Ce qui n'est pas mauvais euh, à Pro -E, selon l'IA. Mais oui, c'est vrai qu'avant on disait euh, quand on fait ce coup en, en E17, Blanc répond en E18. Et normalement, si tu fais année directement comme ça, c'est pour faire le double année. Suivi direct. À I, euh, quand blanc fait cet atari ensuite sur f18. Noir contre atari, blanc capture et prend le penuki, la forme de capture d'une pierre, et noir recule. Normalement c'était ça la séquence. Au noir en fait s'il fait année c'est pour récupérer le coin. Ici blanc il peut continuer à, à pousser. Ce qui donne en fait dans mes parties assez souvent la même chose finalement. Comme je fais souvent un coup au sen, -sen Ça donne noir qui vient là et l'éternelle question de moi qui vient ici et noir qui rajoute ou non un coup. Dans la dernière partie il a pas rajouté là non plus. Et dans la dernière partie, ça a créé des mauvaises formes pour noir d'ailleurs. En tout cas, pour le moment, il essaie de rentrer dans mon coin. Euh... Je ne vais pas aller tout de suite en H17, bien qu'il y a une petite faiblesse. Euh, parce qu'il peut d'abord venir là. Je devrais protéger. Et ensuite, il peut peut-être protéger par là. Il gagnerait quand même B18 qui est assez gros de gratuit. Alors que si je réponds ici, euh, ça menace de capturer cette pierre un jour. Et ça aussi, c'est assez gros. Donc on va d'abord venir de ce côté. On règle d'abord nos problèmes et ensuite on joue euh, on attaque euh, les positions de l'adversaire. Maintenant à 18 c'est beaucoup moins gros donc ça donne envie de venir de ce côté. On fait ça. Ce qui menace d'aller jusqu'à F15. Et il ignore. Okay. dans l'autre partie, justement, j'ai pu euh, aller en F15. Et euh, mon adversaire, bon... Il n'avait pas beaucoup de solutions, il avait choisi de faire ça, ce qui est quand même euh, bien pénible. Mais en même temps, quand il vient par là, on peut revenir là. S'il part, ça menace de faire un. Enfin, ça fait un snapback, en fait. On capture ces pierres-là. Quand Noir capture, on recapture derrière. Donc, euh, un coup par là, ça va être embêtant pour euh... Noir. S'il veut sauver ses trois pierres, oui. C'est euh... vraiment tac-tac-tac. On vient là. Voilà, il est direct écrasé, il a deux angles vides. Et un tel mur de noir, il aurait aimé faire plus que ça, quoi. Là, on peut continuer à écraser, et c'est un peu embêtant. Il fera des points, mais moins que prévu. Donc là, on défend notre coin. Et connecte en solide, ok. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on descend qui laissera plus tard une faiblesse en R15 ou est-ce qu'on va en R15 très solide et s'il vient en R18 on peut aller en S18. Ce qui menace capturer donc c'est quasi ça. Yo, je pense qu'on va protéger ce solide parce que si on allait par ici donc je disais on avait une faiblesse par là on doit connecter euh, et cette pierre selon ce qui s'est passé sur ce bord droit pourrait servir à développer et en plus ce Shimari regarde dans cette direction donc ça semble intéressant pour lui en fait. Il vaut mieux éviter, je préfère être solide. Toujours euh, plus rassurant. Nine, il va faire la même chose de l'autre côté, très bien. Seven. Donc là, il essaie de me dire oh, regarde, j'ai potentiellement euh, plein de positions sur les coins. Et là, il fait ça. Donc, la question, c'est est-ce que je protège ou est-ce que je fais Atari Quand je fais Atari, il peut protéger. Et je peux revenir. Donc non, c'est pas ce qu'il ferait. Je veux dire, si je fais Atari, il pense au contre-Atari je capture et il va enfermer. Sauf que ça fait Atari sur sa pierre. Donc en fait ça c'est assez compliqué. Il Nine. va juste euh, avoir une forme assez moche. L'angle vide. Donc là, cette forme là est à éviter. C'est la même forme que si je vais quand j'ai été dans ma dernière partie ici et l'adversaire était là, c'est la même forme. Ça c'est des, des formes à plutôt éviter en général. Et maintenant je peux revenir réparer. Euh, comme ça ou comme ça. Nine. Plutôt cette forme là. Et si jamais il vient comme un bourrin jusqu'ici, euh, ensuite euh, s'il monte, je pouvais aller là, et inversement s'il allait là, je pouvais aller là, et il faisait de mauvaises formes. Donc c'était pas très tentant pour lui de venir en E3, euh, f 3 en tout cas tout de suite. Il pousse, je vais là, et là il dit oh, regarde, je développe quelque chose d'incroyable. Mais ça va être compliqué en vrai, parce qu'il y a des faiblesses un peu des deux côtés. Je peux embêter par ici, et en même temps, pour le moment, il y a le double année. Qui est quand même très menaçant sur ces trois pierres. Donc on vient là. Et il ne faut pas oublier que là, ça attaque indirectement cette formation hein, de jouer cette séquence. Donc attention à lui. Surtout qu'on est très solide en bas à droite. Il fait Atari, on répond. Et il s'en va comme ça. Très bien. Donc il laisse ce fameux euh, Atari capture. Est-ce que c'est intéressant pour moi de le faire C'est ça la question. Parce que derrière, il peut aller là, on peut aller ici. C'est un peu embêtant pour lui quand même, j'ai l'impression. On va prendre ces pierres. On prend ça. Et il pousse de l'autre côté. Très bien. Euh, Est-ce que c'est si dangereux Donc, c'est pas agréable hein, quand il va en G4. Mais si euh, j'y vais. Donc, si je continue, il a gagné euh, un bon échange quand même. Un F5 euh, G4, c'est quand même un bon échange pour lui. Et ensuite, il peut euh, Nine, jouer dans cette eight, direction et quand même développer seven, pas mal dans le, sur le bord gauche. Six, five, et en soi, four, je vais jouer three, pour perdre la période, two, quand je one. viens ici, même s'il écrase et que je viens là, enfin, voilà ce qu'il fait tac-tac, je suis bien vivant. Et lui, pendant ce temps, ses quatre pierres euh, sont bien abîmées également. Donc je détruis pas mal de potentiel à gauche. Après il gagne un peu de force ici. C'est un échange hein, en soi. Hum, on va juste reculer comme ça. Il force, très bien. Et là il a un point de coupe ici. On va faire attention. Et il menace de capturer cette pierre. Est-ce que, est... Est -ce que ces trois pierres sont si importantes ça ça peut être une question aussi. Parce que si je viens de ce côté et qu'il capture, je peux revenir là et capturer ces 4 pierres. 9, peut-être là, par exemple. Six, five, four, three, ça peut être intéressant, 10, 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 continue en H2, très bien. Euh, attention quand même. Il a pas mal de points de coupe et une petite faiblesse par ici. Enfin, un petit truc embêtant. Donc attention, ces formes sont pas incroyables. Là, ça me donne envie de... Ça donne envie de couper directement, en fait. voire de ne pas six, répondre. Five, je ne four, suis pas obligé de répondre, three, en fait, à ça. Two, one. Et je peux sortir par ici. Et là, en fait, même s'il capture cette pierre, on peut refaire Atari. Tac. Et après, on pouvait connecter ici, peut-être. C'était très dangereux pour son pâté à venir donc là il essaie de sortir sauf que là maintenant quand je sors dans cette direction ça réattaque toutes ces positions là donc tout ça c'est bien embêtant comme pour lui à faire atari et euh, aussi noter que l'atari ici et si je sors le chichot ne marche pas parce que en sortant ici ça met Atari sur sa pierre euh, en J14 donc ça ça ne marche pas il revient de ce côté, très bien. Il veut protéger ses pierres. J'imagine. Ok. On va revenir ici, ça sent le gros, parce que si j'exagère je, en allant là, euh, qu'est-ce qui se passe si lui-même vient ici Ouais, je peux descendre. Viens là, je vais là. Il faut qu'il protège. Et je protège d'une manière moche, mais ça a l'air de passer. ou même connecter 9, dur. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mais ça lui donne one. beaucoup de force sur l'extérieur. On va revenir tout de suite, régler la situation maintenant. Il protège. Nous, on risque rien sur cette position. S'il si va en, en K18, on peut aller en L18 ou capturer directement en J18 si on a peur. Mais en tout cas, là, on a réglé la situation. Et maintenant, ce qu'il faut régler, c'est euh, la position en bas à gauche. Parce que si Noir joue ici, peut-être qu'il sort. Nine, Donc il faut faire attention eight. à ça. 7, 6, 5, 4, 3. Donc on va jouer par ici. C'est quand même assez gros. Noir vient en L16. Ce qui menace d'aller ici et de faire un petit chichot. Et hop, il sauve ses deux pierres, il capture tout ça, il est content. Donc on va éviter ça. On va pousser ici. Il fait année parce que ça menace toujours de faire le petit chichot. On va faire Atari. Atari. Et est-ce que je peux Tenuki Il faut compter les libertés. Noir, blanc, noir. C'est à blanc de jouer. Et blanc a, une liberté, a autant de liberté. Mais euh, c'est à lui de jouer donc ça va. Noir, blanc, noir protège sa pierre. Nine, Il y a 3 libertés contre 3. Blanc, premier, blanc capture. Six, Donc five, je peux Tenuki Moi bah, je pars ici. J'ai pas envie de perdre une période. Ce coup-là, de toute façon, je le rejoins un, un jour ou l'autre. Et viens par ici. bien. D'accord. Il se dit que si je descends là, son piège fonctionne parce qu'il peut faire Atari. Je réponds Atari. Je capture sa pierre. Atari. J'ai plus qu'une liberté ici et le suicide est interdit. Même si je viens là, il me capture. Sauf que je peux Seven. venir ici. Là, on répond bien sûr. Il reste toujours les deux points de coupe et il reste ce coup qui est très important, un hein, des 5 Il me met en Atari, je reviens là quelque chose que j'ai remarqué beaucoup sur Fox à ce niveau-là. C'est, euh, euh, ça joue d'un côté, ça joue de l'autre. Ça revient, ça rejoue. J'imagine que c'est intentionnel dans l'espoir que je perde mon attention. Je sais pas. et Là, il joue de ce côté. Cette pierre est pas si importante parce que même si la capture, on recule et on est vivant. Donc pour la situation ici, c'est pas si important. Mais comme j'ai joué des 6 euh, des et qu'il n'a pas encore répondu, euh... La coupe est moins importante s'il capture celle-là et qu'il fait un œil là. Finit, là. Donc on va protéger. Pour maintenir la pression. Maintenant, c'est là-bas qu'il joue. Ouais, c'est gros quand même. Mais ça aussi. Il joue très vite, hein. c'est pas un bot hein. Non, c'est pas un bot, d'accord. Est-ce que ici, dans cette situation, dans cette forme qui est un peu délicate pour moi, est-ce que je risque quelque chose euh, imaginons des coups comme euh, C14. Il faut que je fasse attention parce que quand il fait C14, euh, je ne peux pas réagir n'importe comment. Parce que là, il y a du double attaque. Faites attention à ça. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pense qu'il peut m'embêter sur mes formes, donc je vais juste rajouter un hobby. Il fait Atari et je suis très solide. Maintenant, il protège ici et enfin. Il me laisse ce se sentir parce qu'il faisait pas mal de coups, bon, plus ou moins forçant, hein, c'était mon choix aussi de répondre par exemple ici. Euh, mais maintenant, on revient au problème. Tout ça, c'est embêtant. Bien sûr, on pourrait se dire aussi, euh, sortir cette pierre, ça a l'air compliqué, je ne sais 8, pas, j'ai pas envie de m'embarquer dans des trucs trop compliqués. 6, ça, ça a l'air simple, 5. coupé. Revenir ici. Et là, les chichos ne marchent pas. Je vais d'abord faire atari ici. S'il capture cette pierre et que moi que capture ça, c'est quand même très intéressant pour moi parce que, effectivement, c'est un ponuki mais qui n'est pas tourné vraiment vers le centre. Ah, c'est sur un groupe ben, du coup qui va vivre mais pas si gros que ça. Le potentiel de ce côté est réduit parce qu'on a pas mal joué déjà sur ce bord. Alors que moi, je fais capture de deux 8, pierres qu'on appelle deux tortues. 7. Qui est tourné Six, vers le centre, qui est vraiment très puissante. Four, et en même temps, voilà. S'il protège, en même temps, euh, quand je descends, ça a l'air de capturer ses pierres. Blanc, noir, blanc. On a une, deux, trois libertés contre deux. Mais s'il pose de l'autre côté, on peut aller là, et il ne peut pas vraiment bloquer. Il y a double taille. On revient ici. Il force. Est-ce que ça, ça passe Ça, non. Donc là, j'ai le choix entre le nobi un peu dégueu, puisque c'est angle vide. Ou ce saut. Parce que si je fais celui-là, bien sûr, il me capture ici. 9, je sors, il capture. 8 7 6 5 4 3 on va faire ça. Juste pour ne pas perdre une période encore une fois. Mais peut-être que l'autre passait, effectivement. On sort. On sort. On ne peut pas me bloquer ici. Et là, il faut calculer le nombre de libertés. Est-ce qu'on a assez On a 4 libertés. Je n'ai pas trop envie de pousser de trop parce qu'on pourrait abîmer la position ici. Donc si je viens là, et qu'il descend, je viens ici, il va là, je viens là. On peut revenir, ça descend TNT, c'est gros, mais on a déjà beaucoup de gains dans cette partie, donc euh, ça ne sert à rien d'être trop gourmand. Et du coup il m'attaque. Parce que là si on essaie de voir un peu les gains, c'est euh, blanc et là. Blanc est là. Et Noir a des murs, du potentiel, mais c'est euh, assez incertain quand même. Hein. Il aura un peu là, Nine, il aura forcément par là eight, avec sa force. Seven, et là, on ne sait pas encore, il y a, il y a des séquences five, encore qui se jouent. Four, et il lui reste une three, faiblesse par ici. Two, Donc attention one. à tout ça. Je vais jouer par ici ce qui me permet de passer au-dessous. Et s'il était descendu, on pouvait passer au-dessus. Il ne pouvait pas couper parce qu'on prenait ses pierres dans ce cas. Donc ça, ça passe bien pour nous. Utilité subji qui se retrouve assez régulièrement, hein, le Q13 quand même, dans les séquences où on a des Kosumi comme ça. Ça, c'est peut-être un peu risqué de ma part Nine, si je fais ça. Eight, Il manque euh, seven, la prise de liberté ici. Six, on va juste pousser. Et notre adversaire Bodden. Oui, ça a l'air compliqué pour lui, c'est vrai. En fait, il n'a pas de points purs et. Surtout avec le go moderne, c'est assez facile de réduire les positions de l'adversaire. Euh, euh, ici, comme on disait, on va essayer de compter vite fait par exemple. Donc euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. On a peut-être 23 points ici. Euh, 25, 27, 29. 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58. Bon, avec les coups forçants, on va dire 50 points avec tout ça. Euh, 55. Et on est blanc avec du commis, donc on est à, on est à plus de 60 points. Noir, c'est vraiment compliqué de lui voir ses 60 points. Parce que ici, dans le coin, des séquences existent pour s'installer. Installer, hein. Je vous renvoie vers la chaîne de Mathieu Delizotti. Euh, je mettrai ça, le lien de sa chaîne pour ceux qui ne connaîtraient pas. Euh, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais bon. ah, en description. Euh, il a fait des vidéos euh, d'approche des, des différentes formes de chimérie. Donc le, le, le grand bas, le grand haut, euh, le petit haut et le petit bas. Donc euh, vous verrez, il y a des, pas mal de petites séquences d'approche. Euh, C'est vraiment. Facile entre guillemets de réduire en tout cas à, de rendre ça si noir il fera 15 points, on va dire quoi. Et ensuite euh, il a la force, mais comme je suis vivant partout, je peux juste approcher pour réduire et ça va. Et c'est pas en plus, euh, c'est pas impossible que blanc fasse des points dans une zone, dans une autre. Euh, imaginons, on fait la séquence juste, euh, comment est-ce que je pourrais jouer? Bon, on re, je reviens dans deux secondes, et on regarde ça ensemble, ça va être plus simple. Donc voilà, on en était là. Euh, donc ça te dit 36 de points en plus pour blanc, sachant que je suis en sud, je suis à 36 de plus on va dire. Je veux compter euh, 60, donc ça ferait 25 pour noir, j'avais dit une quinzaine ici, on peut imaginer, voilà, il y aura des petits points par-ci par-là, donc une dizaine, et c'est tout quoi, même l'IA, elle dit non non, c'est compliqué. Euh, mais effectivement, on peut imaginer, voilà, si Noir règle un peu ses problèmes ici, parce qu'on parlait d'un O5 à un moment, euh, il, on peut approcher ce coin. C'est pas nécessaire, hein. le coup le plus tranquille, c'est de jouer une petite extension et de s'assurer que ça, ce soit tranquille pour l'est de la partie. C'est la ch seule chose euh, avec laquelle on pourrait s'inquiéter. Mais on peut approcher ici. Noir défend son coin, on vient ici. Noir fait un attaque, on vient là, Noir descend. On vient par ici, noir revient, et on peut pousser, pousser, et même si on donne 50 points en soi, euh, en développant de ce côté, on est tranquille, je pense, dans la partie. Voilà, ça reste à la même différence de points. On s'assure que noir ne développe pas plus, et voilà, ça semble suffire. Surtout que même si noir peut réduire de ce côté, avec la force qu'on a développée ici, il n'en fera pas vraiment l'heure, en fait, de points. Donc ça va. Et oui, il reste toujours cette faiblesse. Hein. Donc c'est très compliqué. Euh, je vais regarder vite fait là les petites erreurs qu'on aurait faites. J'ai mis au niveau Sidane de rigueur on va dire. Euh, effectivement noir doit pousser ici. Il vient là, je défends et ensuite il revient. Cette pierre là oui c'est embêtant mais là ça... Il y a plus gros sur le Goban, il faut vraiment revenir ici maintenant. Parce que noir quand il revient là, blanc ne va pas s'amuser à capturer cette pierre tout de suite. Ça renforcerait trop la position noire. noir. On ne fait plus ces nouveaux Joseki pour finalement donner euh, cette forme à noir. Nouveau de Joseki, euh, parce que avant, pour ceux qui ne l'auraient pas, quand on vient là, que ça se passait comme ça, effectivement, il y avait une séquence comme ça, où blanc revenait ici, noir là, blanc là, noir là. Mais ça, maintenant, l'IA et ben, les, les professionnels récemment ont statué que euh, c'était trop bon pour noir. Parce que ça donne une gueule de tigre vraiment puissante. Noir, il a une forme presque parfaite en fait sur l'extérieur. Donc ça serait bête de la donner ensuite. Donc blanc ne va pas capturer ici, donc noir n'a pas besoin de venir tout de suite. Beaucoup de donc mais voilà. Moi je viens là, j'avais un petit doute, hein. je me demandais c aussi bien c'est peut-être plus gros de venir là, là, ou de pincer. Mais non non, faut taper dans la faiblesse tout de suite. Noir vient par là, je défends. Ici j'ai pas tout à fait bon, c'est pas une grosse erreur, c'est 0,9 point de perte hein. à mon niveau, c'est pas grave. Au niveau pro, c'est grave, mais à mon niveau, pas du tout. Je viens là, il va de l'autre côté. Tac, on fait Atari. Il fallait connecter au solide, d'accord. D'accord, d'accord. Il pousse. Il vient là. On s'empare des pierres, ok. Et là, plutôt mettre de la pression de ce côté. C'est intéressant. C'est le coup euh, dont on parlait plus tard, hein, quand oh, la situation s'est passée. Tac. Euh, noir peut venir ici, on disait. Ben justement, blanc il faut qu'il vienne là. C'est par ici que noir trouvera sûrement la vie. Donc, blanc doit venir là tout de suite. Et c'est je comprends l'idée tout de suite. Hein, parce que, en fait, en venant là, blanc, quand noir veut sortir, euh... de toute manière, on a capturé ses pierres. S'il vient là, on vient ici. Snapback. Donc, il devra sortir. Et en fait, c'est peut-être plus agréable de faire courir un groupe. Vraiment. Là, ici, il fera rien avec ça. De ce côté, il va difficilement faire des points également. On lui rend la partie vraiment pénible en fait. Alors que là, moi, avec euh, mon coup ici, je pense déjà... Ah, je vais tuer. Oui, mais il peut sortir, en fait. De toute façon, ces pierres-là, elles sont condamnées. Donc oui, c'était un peu bizarre, mon E5. Tac, il force ici. Ok. Donc il recule. Non, non il faut couper tout de suite. D'ailleurs, quand je recule, je me demande s'il pouvait pas jouer en G18. Ouais, ah, si. C'est mieux que son coup. Pourquoi G18 Effectivement c'est une pierre de sacrifice ce G18, pourquoi Parce que blanc peut aller à l'intérieur, tac, et il peut y avoir euh, des suites d'Atari. On peut prendre la pierre, mais noir gagne beaucoup de force sur l'extérieur en fait, donc ça peut être intéressant pour lui. Donc on a fait une erreur tous les deux ici, là c'est ma première grosse erreur de la partie de ne pas couper, 5 points de perte oui compliqué la partie je suis vivant dans le coin donc euh, quitte à avoir des mauvaises formes autant et euh, des complications chez noir directement hmm. donc là, il continue je protège il fait ça et là encore une fois même erreur hein. c'est le même principe parce que quand je viens là il peut sortir donc autant le faire courir ouais, c'était un peu euh, bizarre mais, mais deux coups ici dû. parce que je rajoute deux coups c'est comme beaucoup pour ne pas être sûr de tuer. Et en plus en faisant ça, du coup je dis, euh, regarde, maintenant tu peux peut-être récupérer tes pierres plus tard. Donc ouais là je vois bien les erreurs. Et maintenant, bah tu du coup. <laughs> maintenant je joue ailleurs. Ah non, il faut tuer. Du coup. Et du coup mes, ouais, la plupart de mes erreurs de la partie c'est de ne pas euh, prendre ça en fait. Ce qui est très gros. Et lui, c'est de ne pas sauver ça. Mais oui, voilà, on fait tous les deux à la suite là. Tout ça, c'est les, c'est cette erreur-là. Je sors. tac, tac. Et c'est pas des petits coups hein, qu'on fait là. C'est seulement moi qui est beaucoup plus important. Tac. Ouais, ok. Je peux continuer, mais j'ai préféré euh, stopper tout de suite. Je préfère simplifier comme je t'en avance. Hein. Et là, il protège. Et enfin, je viens là. D'ailleurs, oui, c'est la bonne, la bonne façon de faire. Cool. Il vient ici. Je pousse. Tac 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 tac. Et ok. Donc là je parlais des trois faiblesses ici. Je préférais jouer par là. je disais on a ça, mais euh, on est en avance. Il vaut mieux jouer simple et tout, ça, ça peut être compliqué. Bon, l'IA, comme elle est très confiante dans ses capacités, elle dit non non vient ici tout de suite, regarde tout ça et ça, c'est séparé. D'accord. C'était peut-être un peu euh, gentil d'aller par là. Donc ici rajoute ses coups, ça ne marche pas très bien. Il fait Atari, je réponds. Il vient là, je réponds. Il vient ici, je réponds. Il vient là. Et il fallait pas que je réponde, il faut que je joue ce coup. Je pense que localement c'est intéressant de répondre par rapport à la pression qu'on met sur ces pierres. Mais effectivement, comme on peut a priori tuer ces cinq pierres là, c'est plus gros. Il y a plus de certitudes et en plus tout ça n'a pas de base de vie. C'est vraiment euh, pas très agréable cette forme. Tac. Encore une fois, il faut répondre ici. Mais on coupe là-bas, il vient là. Ouais, C'est vraiment, en fait, toutes les erreurs ici, maintenant, ça va être par rapport à ça. Et toutes celles-là, c'était par rapport à ça. Donc je pense que dans la partie, globalement, il n'y a pas eu de grosses erreurs, en fait, je pense. C'est à euh, savoir qu'est-ce qui est plus gros, quoi. Comptez. Après, c'est Fox, il faut jouer vite. <laughs> on a 30 secondes par coup. Je pousse ici, je descends là, il monte. Tac, tac. Et effectivement, ce coup-là, je n'étais pas très fan. Donc, il vaut mieux faire le nobby euh, un peu moche. Parce qu'il euh, peut mettre de la pression et on sait jamais plus tard. Il euh. faudra sans cesse surveiller ce qui se passe ici. Parce que là, on vient là et on joue ailleurs. Et si un jour, voilà, euh, tac, et qu'il y a des situations qui se passent par là, il euh, faudra toujours surveiller euh, quand une pierre noire va être rajoutée. Parce qu'on pourra être euh, attaqué euh, virulemment. Donc, s'il y a une pierre noire ici en plus, ça peut être très dangereux en fait. Donc, euh, attention. Nobby. C'est moche, mais il n'y a pas d'adji. Et la noire descend là, mais ça ne marche pas. D'ailleurs, ils disent non, pousse. J'avais un peu peur pour ce groupe, mais après, oui, ça va. Ils disent de pousser, mais noir abandonne la séquence. S'il vient là, qu'est-ce qui se passe bon, On s'en fiche parce que. Ok, on pouvait pousser une fois de plus. Comme ça, même noir, s'il joue en premier, il n'est pas vivant. Et on peut jouer cette séquence. Ok, c'était dans l'optique de faire ça. Tac, tac, tac. Et noir peut protéger, mais on est tranquille et fin de la partie. Très bien. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Euh, J'espère que ça vous a plu et que la revue était nécessaire. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a besoin ou non de la revue, si on voit finalement les mêmes choses que dans la partie. Euh, pour ceux qui seraient jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo si ça vous a plu et si c'est utile. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis bonne fin de semaine et à la prochaine. Salut.